je te crois que nous contemplons cette croix qui est lumière et qui est vie. Cette croix que nous découvrons comme un arbre de vie. Cette croix que nous sommes venus ce soir à contempler, mais aussi à accueillir, pour tout ce qu'elle signifie pour chacun d'entre nous, essentiel, la présence du Seigneur au milieu de nous. Cette croix qui nous invite à prier. Priez ensemble, nous qui venons de différentes traditions, catholiques, protestantes, mais c'est cette croix qui nous unit profondément, car cette croix, c'est celle de Jésus. Celui en qui nous voulons mettre notre foi, notre espérance, tout notre amour. Nous prions ce soir autour de ta croix, Seigneur. Cette croix par laquelle tu nous donnes ton esprit, cet esprit que nous avons reçu au jour de nos baptêmes cet esprit qui vit en ton esprit, Seigneur. Cet esprit de vérité que nous prions tous ensemble d'un même cœur. Thank you.
C'est toi qui viens éclairer nos vies. C'est toi qui nous fais passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, car tu es la vie. Ce soir, ta croix plantée au milieu de nous, ta croix plantée en chacun de nous, au cœur de nos existences, au plus intime de nous-mêmes, qu'elle vienne s'enraciner, comme un arbre, comme l'âme de la vie, qui porte ses fruits en sa saison. Toi, l'esprit de vérité, tu nous éclaires, tu nous révèles les autres dons en nous, pour que nous puissions te prier et te demander d'y mettre ta lumière, ta douce lumière, qui nous fait passer de la mort à la vie. Car oui, tu es ma force et ma consolation. Tu es l'ange pour les pas. C'est ta voix qui triomphe aujourd'hui encore de toutes mes tempêtes. Tu m'offres inlassablement ton amour sans fin. Dieu, tu es ma force, ma consolation.
Combien faut-il de commencements dans une vie pour vraiment commencer? 1, 2, 3, 1000, 100, peu importe. Ce qui importe, c'est d'être au commencement. Au commencement, où était Dieu? D'être au commencement avec Dieu et de savoir que je peux toujours recommencer. Car comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Seigneur, aujourd'hui je commence avec toi. Ce soir, je commence avec toi. Ce soir, tu fais briller ta lumière. Tu fais briller ta lumière dans mes ténèbres. Ce soir, tu m'illumines à nouveau. Je vous invite à recevoir cette lumière de Dieu, cette douce présence de Jésus qui vient nous rencontrer, qui vient nous prendre par la main pour nous attirer à lui, pour nous attirer. Source de tout amour, dans le silence de nos cœurs, nous déposons au pied de ta croix nos pauvretés, les obstacles que nous rencontrons sur le chemin de la sainteté. Que la foi en ton amour inconditionnel chasse les ténèbres de nos vies et nous conduise vers ta lumière, celle qui illumine et réchauffe nos cœurs, pour que nous portions toujours plus loin les bienfaits de ta parole. Cette croix qui est au milieu de nous ce soir, et qui peu à peu s'éclaire, nous invite déjà à recevoir la vie, à accueillir cette vie de Dieu dans chacune de nos vies. Ce Dieu que nous cherchons, ce Dieu qui d'abord nous cherche, ce Dieu qui donne sa vie pour nous, ce Dieu qui, en Jésus le Christ, se révèle à nous comme lumière, une lumière intérieure. Thank you.
Évangile selon saint Jean. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ceux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Seigneur, ce soir, au pied de ta croix qui peu à peu s'éclaire, nous prenons conscience que c'est toi qui nous a donné la vie, qui nous a donné d'être, qui nous a marqué de ton amour. C'est toi, Seigneur, qui nous fais découvrir à travers le chemin de nos existences que nous sommes tes enfants, que nous sommes frères et sœurs, que nous sommes fils et filles d'un même Père en Jésus. Seigneur, dans cette prière silencieuse que nous t'adressons maintenant, donne-nous d'accueillir cette vie d'enfant de Dieu que tu nous donnes simplement parce que tu nous aimes. Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que nous pouvons toujours avoir confiance en toi, nous pouvons, nous osons te prier. Nous osons ce soir ouvrir ton cœur, t'adresser nos demandes, nos actions de grâce, notre louange. Seigneur, ce soir, je voudrais te prier d'une façon particulière pour tous les membres souffrants de nos communautés, pour les personnes malades. Te prions d'une façon tout à fait spéciale pour Rémi, qu'elle nous pensons en ces jours de festival. Te le confions de tout notre cœur ainsi que son épouse, ses enfants, pour que demeure en son cœur, dans leur cœur, l'espérance. Seigneur, nous te faisons confiance car en toi nous le savons, tout est accompli. Seigneur, je vais t'adresser ce chant, t'adresse tout ce chant qui dit qu'on embrasse le Fils, car en lui sont réunis tous les trésors de la connaissance. Pas seulement dans un livre, mais dans le Christ, la personne du Christ, le Fils de Dieu, qui a tout accompli. Je crois à sa cour.
J'ai tout compris pour toi. C'est vrai. Maintenant, va et vis de cette parole, vis de cet accomplissement. Laisse fermer en toi tout ce que j'ai semé. Laisse pousser en toi toute la beauté que tu as étouffée. Ose. Ose vivre de ma parole. Tout est accompli. C'est vrai. Crois-le. Vis-le. Et fleuris. Que ta vie soit un jardin. Que ta vie en roule. Que ta vie sente en ma présence. Car j'ai tout accompli. Oui. Mais pour toi. Source de toute vie, sois béni pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos prêtres et pasteurs, qui nous montrent le chemin du don de la vie pour toi, pour nos jeunes, qui avec confiance et enthousiasme prennent la relève. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Seigneur, donne-nous le temps de poser notre regard sur toi,
Donne-nous le temps de nous arrêter. Donne-nous le temps d'entendre une voix qui dit « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui nous redonne l'accès au Père. Voici celui qui nous redit le désir du Père de nous rencontrer, la passion du Père d'être avec nous. Suivre Jésus, c'est aller vers mon Père. Suivre Jésus, c'est mettre ses pas dans ses pas. C'est oser ces gestes de partage, de vérité, d'amour sans compromis, sans demi-mesure, sans faille, sans faiblesse, en vérité, pour aller vers le Père. Pour se tenir devant le Père, pour être dans les bras du Père, pour vivre l'intimité avec le Père, jusqu'à, comme Jésus, l'appeler un jour de son autre nom. Abba, Papa. Vivre cette intimité-là, aller jusque-là, être comme Saint Jean, celui qui posait sa tête sur le sein de Jésus, l'adorateur. Adorez. Thank you.
de l'Évangile selon saint Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous. Pour tous ceux qui sont dans la maison, De même que votre lumière devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites du bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Seigneur, tu nous donnes de vivre de ta lumière. Prenons conscience ce soir de ce que tu nous dis de nous-mêmes. Vous êtes la lumière du monde. De ta croix illuminée, Seigneur, transparaît notre lumière. Cette lumière, tu nous la donnes de manière. Tu nous la donnes à transmettre. Chacun de nous ce soir, en rentrant dans cette église, a reçu une union. Ce union va maintenant être éclairé par cette lumière qui vient de ta croix, Seigneur. Manifestons ainsi que nous vivons de toi. Que nous voulons vivre davantage de toi. Nous vivons de toi. Que pour vivre davantage de toi, il nous faut nous transmettre cette lumière que tu es. C'est comme cela. En donnant notre vie comme toi, que nous serons lumière pour le monde. En donnant notre vie comme toi, que nous serons lumière. Cette lumière qui vient de toi, Seigneur, se répand maintenant. Dans notre assemblée, dans nos communautés. Thank you.
Thank you.
chers amis, qu'il me soit permis ce soir, au terme de cette veillée, de remercier le pasteur Catherine Lévy, à laquelle nous avons conduit cette prière ce soir, de joie de prière que nous avons préparée ensemble avec les membres de nos communautés, pour manifester ici que voilà, nous vivons cette fraternité toute simple entre nos communautés. Nous sommes réunis ce soir pour faire des notés avec vous tous, devant ce qui est l'essentiel de notre foi, cette belle croix lumineuse de Christ, mort et ressuscité. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui ont animé cette veillée. Le festival de la lumière se poursuit naturellement, mais nous allons bénéficier de quelques heures de repos, sans doute, pour la lumière recharger les accus, si la lumière nous l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. Merci donc à tous de votre présence. Merci à tous, ne partez pas trop vite, vous l'avez compris. Quand on sait,